Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour un nouvel apéro, l'avant-dernier de la saison. Je vous l'ai dit que ça va se terminer vendredi avec une spéciale F1 en plus. Donc ceux qui sont fans de sport mécanique, n'hésitez pas pour demain, une spéciale F1. Et du coup, on est là pour se retrouver pour l'avant-dernière émission, c'est la 70e. Et je suis très très heureux de vous recevoir dans le chat. Déjà, vous êtes plus d'une trentaine. Famille de geeks, Zampil, moi 87450, Théo qui sont là. Théo, la team Bordeaux est encore présente ce soir, car après moi c'est Gif qui représente le fils de Bordeaux. C'est vrai, hein, les Bordelais, je vous le rappelle, les Bordelais d'ailleurs, je viendrai dans vos comtés le week-end du 17 juillet avec un événement qu'on organise avec les fans, avec les abonnés, le 18 juillet à Bordeaux pour passer un petit moment ensemble de 11h pour l'apéro, justement un vrai, véritable apéro, pas un apéro via internet, et pour manger ensemble et passer un petit après-midi tous ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez des informations, à suivre sur Twitter, on va donner des informations. Mais en attendant, je suis avec trois invités, regardez, ils sont ici. Alors la petite fenêtre de Eric a bugué, donc je vais la remettre en place. Et du coup, donc, je suis content de vous retrouver puisque justement, je suis avec toi, Eric. Comment vas-tu? C'est ta première fois dans l'apéro. Est-ce que tu vas bien? Ah, moi, je vais très bien. Surtout, comme je te dis, je suis en vacances, donc au bord de la mer, donc ça, tout va bien, ça roule. Eric, oui, qui est en vacances, c'est le soleil. Donc, tu m'avais dit que tu allais faire l'apéro sur la plage. T'es pas sur la plage, donc. J'ai préféré le bungalow climatisé quand même. Ouais, tu as raison, tu as raison. Donc, dans le chat, on me dit qu'il y a Pépé Garcia. Je n'ai pas vu son pseudo à Pépé. Je ne l'ai pas vu, vous l'avez où, Pépé Garcia? En tout cas, gros bisous à mon Pépé s'il est sur le chat, ça me fait très très plaisir de le voir. Je suis également avec Sophie alias Venus is Naive. Comment vas-tu? Coucou, ça va les amis, et vous? Ça va super, toi. Coucou, c'est le deuxième chat. Passage pour toi, donc ça fait très très oui. plaisir de te recevoir. La première fois c'était donc avec le Conquérax qu'on lui fait oui. un gros coucou et un gros bisou. Et donc du coup là voilà, on va pouvoir parler sans là, parce que bon, qu'est-ce qu'il est bavard ce Conquer. On va pouvoir parler tranquillement, mais on lui fait des gros bisous. Et du coup ben voilà, comme c'est la dernière semaine, j'ai réussi un peu à rassembler toute mon équipe de modérateurs tous les soirs. Et ce soir c'est Diff qui est là. Comment vas-tu? Ça va super. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, hein, merci à toi. Et bonsoir au chat. Bonsoir au chat. Et du coup, donc on va passer une petite heure ensemble pour parler pas mal de choses. Et là, je vous le dis, on risque de faire une petite, pas une spéciale Xbox, mais comme l'actualité du jeu vidéo est mort actuellement et qu'il y a justement de l'actualité autour d'Xbox, puisqu'apparemment, une conférence serait prévue pour le 21 juillet et la présentation d'une nouvelle console en août, et ben on va pouvoir en parler tout au long de cette émission. Mais en tout cas, il y a Nuts qui arrive et qui dit ils sont géniaux, Conquer et Soso. Donc voilà, donc ça commence une petite éloge, ça fait plaisir. Moi 87450 qui fait ah non, apparemment tu veux pas parler d'Xbox. Bah si, il y a pas d'actualité, on est bien obligé. on va voir un peu ce que vous en pensez justement, parce que cette conférence Xbox est prometteuse, hein, je pense qu'on peut en avoir. Mais avant toute chose, on va rester dans les règles de l'art et on va faire une première partie, le tour de table, pour avoir une petite présentation de vous, de savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, avant de passer à la partie débat. C'est parti. De retour donc dans l'émission pour ce premier tour de table, et dans le chat ça continue avec Julia qui fait Soso la plus belle, la plus mignonne, la maman. Donc voilà, on a qui? On a, attendez, sur le chat vous avancez. Il y a Malik qui nous fait Conquer et Soso, c'est les meilleurs. Donc voilà, bon, on a compris. Vos équipes, votre famille, elle est là, elle nous suit, ça fait plaisir. Merci à vous d'ailleurs. Par contre, Eric et moi, non, il n'y a rien. Voilà, donc s'il vous plaît, déjà, la team Modo, soutenez Jeff. Et les abonnés Liberty, soutenez notre Eric, qui en plus c'est sa première fois. T'es pas trop stressé, Eric? Non, ça va. C'est ta première fois que tu fais une émission ou t'as déjà fait de la libre antenne? Ah non, j'ai jamais fait de libre antenne. Non, c'est une première. Ça fait plaisir. Il y a plein. Mieux vaut tard que jamais. Et hein. En plus, ça avec toi. Ça me fait très très plaisir que tu dises ça. Mais c'est vrai que je suis très content parce que dans cet apéro, comme on dit, c'est la 70e émission. Et il y a plein d'abonnés qui n'avaient jamais fait de libre antenne. Ils n'avaient même pas fait de Skype avec leur famille, pour vous dire. Et ça s'est à chaque fois très bien passé. Donc je suis très content de voir que l'émission est véritablement accessible à tous. Et du coup, Eric, on va commencer par toi. Fais-nous ta petite présentation un peu, dis-nous qui es-tu, que fais-tu et justement comment tu as découvert l'apéro du JV.
J'ai découvert l'apéro du JV par hasard avec Pentaro quand il est passé. Donc, comme moi je le suivais, j'ai dit tiens, il venait dans une émission, je suis venu voir. Bon, je te connaissais juste de nom comme ça, donc c'est bon. Moi je suis fan quand même des jeux Rockstar et Naughty Dog, donc. Bon. Voilà, et puis j'ai accroché, donc tous les soirs, je viens faire mon tour, et puis c'est sympa, donc j'ai dit pourquoi pas poser ma candidature. Après, moi je suis un vieux gamer qui a démarré avec la préhistoire du jeu vidéo, puisque j'ai commencé sur Vidéopack Philips en 82, donc j'ai traversé tout l'âge du jeu vidéo. Quoi. Okay. Et là actuellement maintenant, donc tu es toujours joueur et tu joues sur quelle plateforme? Moi je suis drogué aux jeux vidéo, j'ai dû naître avec une manette dans les mains. Mais... C'est une très très bonne drogue. Non, mais... Je joue depuis le début de l'aventure Xbox, je suis chez Xbox, d'accord. Mais là je suis en train tout doucement de basculer chez PlayStation. D'accord. Donc, Ça va être intéressant pour le débat justement, comme on va en parler. Donc Malix qui fait la Conquer Family, on en impose, c'est comme ça. Bah écoutez, bienvenue. Surtout que voilà, c'est vraiment une communauté que je reçois avec grand plaisir parce que effectivement vous êtes vraiment au top, donc ça me fait très très plaisir de vous recevoir. Julia qui fait, moi je propose d'aller dévaliser le setup de Chris, il y a des goodies qui me plaisent. Alors Julia, s'il te plaît, calmes. On n'est pas ici pour nous dévaliser, mais en tout cas merci à toi, ça me fait très très plaisir. Parce que bon, j'imagine que si tu veux dévaliser, c'est que ça te plaît. Donc merci à toi Julia d'être là. Void Astra Cosmoplayer, mon premier jeu Sonic the Hedgehog KO sur Master System, je l'ai toujours, cartouche est dans la boîte. Très très belle pièce qu'il faut garder, ça c'est du collector, faut vraiment garder. Merci à tous en tout cas d'être là. Et Julia qui me fait, oui j'avais pas prévu de revendre, c'était pour ma pièce gaming. N'hésite pas à partager sur Twitter avec le hashtag ApéroGV ta pièce gaming, comme ça on pourra la voir. Et Julia qui nous fait, le petit goodies Crash Bandicoot, il m'appelle, tu ne l'entends pas. Non, alors surtout pas le Crash Bandicoot, on les laisse tranquille mon petit Crash. Je tends pas l'oreille. Il est bien derrière, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos setups et vos pièces gaming, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'interagir comme ça, mais envoyez vos photos sur Twitter pour voir un peu vos pièces, parce que c'est toujours de très très belles collections. On continue cette présentation avec toi, Jeff. Dis-nous tout justement, qui es-tu, que fais-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, au cas où, dans le chat tous les soirs. Écoute, moi c'est Jeff, je suis ton modérateur depuis 3 mois. Je te suis depuis quelques années, surtout depuis les mystères de GTA. Et je suis ravi d'être ton modérateur. Hein. Depuis, j'ai connu quand même pas mal de monde et une grosse communauté que j'aime revoir tous les jours durant l'apéro. D'ailleurs, ça va un peu me manquer, hein, je pense, là, pendant 2 mois. Là, ça va être un peu bizarre de ne pas les voir. Mais bon, on essaiera de se communiquer sur Twitter, carrément. Ça peut être pas mal aussi. Et puis, passionné du jeu vidéo un peu comme Eric, hein, depuis que je crois que je suis né aussi avec une manette à la main. J'ai commencé avec le M6, après l'Atari, et après j'ai eu pas mal de trucs. Donc voilà quoi, donc rien de spécial, à part bien sûr la passion du JV comme tout le monde ici ce soir. Carrément. Et toi du coup, Gif, tu joues à quoi du coup? Tu as PlayStation, Xbox, Nintendo? Alors là, j'ai les deux maintenant. Je me suis acheté la Xbox il y a pas longtemps et je regrette pas du tout. Ouais. Parce que du coup avec le Game Pass j'ai pu tester plein de jeux que j'avais pas eu l'occasion de tester durant ces dernières années et donc j'ai hâte de voir en fait la conférence Xbox du coup. Clairement c'est vrai que je m'y intéressais pas trop à Xbox mais là du coup j'ai bien aimé leurs jeux et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, surtout leurs services. Ok, quoi. Très bien, on va en parler et dites-nous dans le chat un peu sur quel support vous jouez et si vous attendez cette conférence Xbox. On sait que le mois dernier du coup c'est PlayStation qui a dégainé et bon, on n'a pas été déçus. Maintenant, après l'Inside Xbox qui au final était bien mais qui avait une communication un peu décevante et qui nous a un peu trop overhypé, là on les attend de pied ferme et je pense pas qu'ils vont se rater. Ils n'ont pas intérêt, sinon ça va faire mal. Il y a Tasni Mao qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Donc vous êtes bavard aujourd'hui encore. Ça fait plaisir de vous voir bavard. Julia qui fait, Jeff, tu feras attention, tu as des écouteurs qui ont poussé dans tes oreilles par contre. Ouais, mais ça je crois que ça nous est tous arrivé. C'est une nouvelle maladie des réseaux sociaux, faut faire attention. Il y a Sisney Valentine qui nous fait, pas grand fan de Twitter, sinon console, je suis pro Sony depuis toujours. Alors, c'est vrai que Twitter, c'est pas non plus le meilleur. En tout cas, depuis quelques temps, ça devient très, très néfaste. Mais c'est vrai qu'il y a eu une belle période. Quand on est bien entouré, c'est très bien Twitter, notamment pour vraiment interagir en direct. Mais c'est vrai que, bon, je peux comprendre qu'on ne soit pas fan. Donc, du coup, on va continuer ce tour de table avec, du coup, Sophie,
présente-toi, même si bon, apparemment dans le chat, il y a toute la famille qui est là. Présente-nous quand même pour nous dire un peu qui es-tu et que fais-tu. Alors, je vais essayer d'être plus originale que la dernière fois, donc de dire d'autres choses. Bah, du coup, je m'appelle Sophie. Wow, alors, c'est incroyable. Là, ça commence déjà très bien niveau originalité. Ça commence très fort. Et du coup, que vous dire, je suis passionnée de digital. Je travaille dans le secteur depuis bon nombre d'années. J'ai toujours adoré le JV. Je suis influenceuse dans la vie. Et je propose mes conseils en stratégie digitale à divers clients. Et par contre, j'avais jamais fait de JV de façon, entre guillemets, de façon à ce qu'on le voit. J'ai toujours fait dans ma chambre avec mon petit frère, tranquillement. Ouais. Et puis, il y a quelques, à peu près 2-3 mois, là, ça y est, je me suis lancée sur Twitch et puis me voilà. Te voilà dans l'apéro du JV. Et du coup, vous pouvez suivre directement Sophie sur sa chaîne Twitch. Si vous regardez en replay, c'est dans la description. Si vous êtes en direct sur Twitter, et désolé pour ceux qui n'ont pas Twitter, c'est partagé, vous pourrez les suivre, même pas que Sophie, hein, Jeff et Eric également. Et du coup, là, donc, vous pouvez le voir, on est des passionnés de jeux vidéo. Donc on a Jeff et Eric qui jouent sur Xbox, Eric qui lui y est depuis le début. Donc ça va être très intéressant de voir un peu tes attentes. Et toi Sophie, du coup, quel support actuellement ? Oui, alors du coup, c'est ça un peu le petit souci, c'est que en fait, je vais tout à fait être honnête, moi je suis très PlayStation depuis toujours. Ouais. J'ai eu toutes les PlayStation. J'adore Nintendo, j'adore je suis multiplateforme parce que j'adore Steam, j'adore l'ordinateur, je fais plein de choses, mais pas de Xbox, jamais. Ouais. Bon. Jamais. Alors, s'il y a des fans de Xbox dans le chat, ne vous énervez pas, vous allez voir qu'on va pouvoir en parler calmement. Il y a Julia Ezampi qui nous fait qu'il y a un petit écho. Alors moi, j'en entends pas du tout. Du coup, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui suit le... Enfin, moi, c'est vrai que je suis en train de regarder. Donc, moi, perso, j'ai pas de micro. Donc, dites-moi dans le chat, en tout cas. Ce sera intéressant de voir parce que pour moi, je n'ai pas de retour. Et apparemment, Karchka nous dit que lui n'a pas d'écho. Et donc, il y a la piraterie qui vient d'arriver. Salut à toi. Et apparemment, il y a un écho quand Sophie, elle parle. Ah, Sophie. Ah mince. Sophie, quand tu parles, apparemment... Est-ce que vous voulez que j'appelle Jokerax pour qu'il règle le son ? Axel, viens nous dire un peu... Viens, fais le job pour Axel, qu'il vienne faire un coucou. Tu peux nous aider ? Ça n'arrive qu'à moi. Hein. Il faut vous dire que quand je lance mes live tweets, il y a toujours des bugs aussi. Il faut dire que c'est lui qui a réglé, c'est lui qui a mal réglé. Il y a un petit problème. De son, apparemment, ça fait un écho. Un écho ? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je sais. Les soucis techniques, les amis. Le mec qui débarque, il dit même pas bonjour. Bravo. Bonjour à tous. C'est le pauvre. En fait, c'était juste une excuse pour. En fait, on s'est dit c'était vu un peu avant, juste en dehors. Alors, apparemment, il y a. Ça fait un gros écho. Non, c'est très léger. Il y a un écho, ouais. C'est léger, mais vas-y, écoute c'est bien. C'est très léger, et c'est pas tout le monde qui l'entend. Parce que moi, je suis une quiche dans les réglages. Attends, je suis une quiche. T'as mis le son là ? Non. Il n'y a pas de son ici. Non, il n'y a pas de son. Je vois pas trop qu'est-ce que ça Alors, pourrait apparemment, être. Apparemment, c'est vraiment pas pour tout le monde parce qu'il y a Famille de Guy qui fait franchement le son est nickel et Ellie 901 qui fait je l'entends à peine du coup et Julia qui fait qu'il n'y a plus d'écho. Bon écoutez, vous savez quoi, vous embêtez pas. D'accord. Vous embêtez pas. C'est bon, en tout cas, j'ai pas d'écho de mon côté. Merci à toi, mon conquer, d'être venu faire technicien en plein live. Ouais. Voilà, c'est peut-être mieux. Hein. Je sais pas, vous me dites là si c'est bon. Bah là, c'est... Bon, en tout cas, pour moi, c'est nickel. Ok, ça va. Bon, super. Bon, régalez-vous bien. Merci à tous. Merci bon apéro. Pas trop de pastis, non, hein, quand même. Non, jamais. Pastaga. Bon. Comment il sait ? Du coup, on est tout bon. Donc, maintenant, merci à Conquer d'avoir fait le technicien. Et on va pouvoir passer directement à la deuxième partie de l'émission, qui est donc le qu'est-ce qu'on fait, la partie débat, où là, on va parler justement de ça, d'Xbox qui doit arriver bientôt, qui doit communiquer, qui va même annoncer une nouvelle console. Et ça va être intéressant de savoir un peu quels sont vos avis là-dessus. Donc, c'est parti pour le qu'est-ce qu'on fait. Du
de retour donc dans cette émission et pour lancer le qu'est-ce qu'on fait, donc pour recontextualiser tout ça, vous savez que la next gen arrive, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, il est temps de sortir des grottes parce que là maintenant on sait qu'en 2020 c'est l'arrivée des nouvelles consoles. Sony avec sa PS5 a dégainé début juin, ils ont fait une conférence qui était vraiment plutôt très très sympa et ils ont dévoilé le fameux design de leur console. Puisqu'il y en a deux, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 édition digitale. Et maintenant, on attend Xbox. Et selon les rumeurs, ce serait pour la semaine du 20 juillet, à savoir le 21 juillet, une conférence pour dévoiler les jeux exclusifs. Et une Xbox Series S devrait être dévoilée à partir du mois d'août. Donc déjà, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Eric, est-ce que tu attends cette conférence Xbox? Ah oui, je l'attends parce que pour l'instant, moi, il n'y a pas grand-chose comme jeu qui a été annoncé du côté d'Xbox qui m'intéresse, quoi. Je veux dire, à part Senua 2 et Everwild, le reste, moi, je suis pas fan de Halo, donc voilà. Et les Forza, ben, je suis un peu blasé, quoi, parce que à chaque fois, on a l'impression d'avoir des suites avec 2-3 améliorations et puis il n'y a pas de grandes innovations ou de prise de risque, donc. Franchement, moi, c'est pour ça que je suis là, je me tourne de plus en plus du côté de Sony, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux qui vont m'intéresser sur la PS, enfin, sur la génération PS5 que sur la génération Xbox, sauf surprise à la prochaine conférence, ouais. Quoi, mais voilà, après. Alors, pour le moment, quelles sont les dernières exclusivités PlayStation qui, justement, t'ont plutôt plu? Ah ben, il y a Kena, ouais. Le gros coup de cœur, c'est Kena. Après, GT7 a l'air d'être pas mal. Puis après, je sais plus parce que. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le Spider-Man Miles Morales qui a été annoncé. Horizon 2. Speed, je suis pas fan, donc ça m'intéresse pas trop. Le nouveau Horizon. Le nouveau Horizon, forcément, puisque voilà, je veux dire, oui, donc il y a Kena, il y a Horizon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Project Katia. Ouais. De qui a l'air d'être intéressant de Square, mais qui n'a pas encore, je crois que c'est pour 2022. Ok, toi du coup en fait sur Xbox et sur Xbox en fait tu aimerais plutôt retrouver un peu ce côté de jeu solo narratif qui sont plutôt PlayStation mais qui ne sont pas encore. Ouais, bon, on espère, et moi je pense, de toute façon Phil Spencer l'avait annoncé que le... Alors, si on prend ne serait-ce The Last of Us, moi je trouve pas qu'il y ait trop d'équivalent sur Xbox, ouais, quoi. C'est vrai que pour ça, bah après ils n'ont jamais. Donc, Spencer, après, moi, tous les autres jeux que je joue, c'est des cross-platform, donc je les joue sur PS5 ou sur Xbox Series. Ça changera pas grand-chose. Phil Spencer l'a annoncé, hein, que eux aussi, Microsoft s'est lancé dans le rachat d'une dizaine, voire même d'une quinzaine de studios. C'était pour ça, justement, pour varier les plaisirs et proposer des jeux solo narratifs. Donc, on espère en voir, en tout cas, un aperçu en juillet. Toi, de ton côté, Jeff, comment tu attends cette conférence? Est-ce que vraiment tu es hypé ou est-ce que finalement, tu verras ce qu'ils vont présenter, mais tu n'entends pas grand-chose? Non, si, je suis vachement hypé par la conférence Xbox. Parce que pour l'instant, très honnêtement, j'ai pas vu de Next Gen, à part Ratchet, peut-être. Ouais. Donc j'espère que de leur côté, ils vont faire péter un peu les rétines. Ouais. Parce que honnêtement, c'est sympa de faire plein de jeux qui plaisent à tout le monde, des jeux qui ont l'air fun et tout, mais bon, la next gen, c'est aussi des graphismes. Moi, je t'avoue que je suis un peu là-dedans aussi. Donc j'ai envie d'avoir une claque graphique. Et je pense qu'Xbox va... Enfin, en tout cas, ce qu'on a vu, même si c'était du CGI pendant l'inside de Xbox, c'était quand même assez beau. Il y a quand même 2-3 trucs qui étaient plutôt beaux. Donc à voir ce qu'ils vont proposer, quoi. Surtout que là, ils vont nous sortir les AAA, les exclus, tout ça. J'ai hâte de voir Halo Infinite. Et puis pour la console, après, bon, on verra, quoi. Moi je pense qu'ils vont quand même en parler pendant la première conf. Après, comme tu dis, ils vont sûrement s'attarder plus dessus en août, mais je pense qu'ils vont quand même la teaser, ou alors peut-être même, je pense qu'ils vont même peut-être mettre le prix, tu vois, de la Xbox Series pendant la conf. C'est ce que j'attends, en tout cas. Ouais, je pense aussi. Toi aussi, Eric. Parce qu'ils ont toutes les cartes en main et ils peuvent se permettre. Je pense qu'ils doivent avoir à peu près l'idée du prix de la PlayStation. Donc, je pense qu'ils vont plutôt. Alors, c'est où ils proposent le prix. Alors là, ils nous font un truc du style 300, 400 euros, tu vois. un truc. Ou sinon, un forfait à 30 euros, comme on parlait hier à l'apéro. Mais ouais, en tout cas, j'espère qu'ils vont en parler, parce que c'est vrai que au final, les consoles, elles sortent dans pas très longtemps et on n'a toujours pas de prix. Qui est un peu étonnant, de se dire que elles sont censées arriver dans 4 mois et on n'a toujours pas ni la date de sortie ni le prix, donc c'est vrai que
que c'est compliqué. Et le prix est très important parce qu'il y a des joueurs qui vont devoir anticiper la sortie des jeux, enfin de la console, et commencer à mettre de côté. Et là, du coup, ils ne peuvent pas trop se positionner. Donc, c'est assez important. Mais ok, toi, tu vois directement l'annonce du prix, Eric aussi. Ok. Eh ben écoutez, on va voir. Oui. Pépé Garcia qui vient d'arriver. Hello, bonne émission Chris, à ta team et le chat. Un gros merci à toi mon Pépé. Et passe un bel été et j'espère qu'on pourra se voir très très vite sur Paris. On continue avec toi Sophie. Qu'est-ce que tu penses de cette conférence Xbox? Est-ce que tu l'attends impatiemment ou est-ce que finalement, bah, toi comme tu l'as dit, tu es plutôt joueuse PlayStation. Tu as eu la conférence PlayStation. Et est-ce que déjà cette conférence PlayStation, elle t'a plu? Alors, la conf PlayStation, elle m'a plutôt plu, même si je trouve qu'il manquait quelque chose. Justement, je trouve que ça va pas, comme tu disais, Jeff, ça va pas assez loin. En tout cas, bon, graphiquement, ça m'a pas donné une claque, à part quand j'ai vu Ratchet, Horizon. Ouais. Horizon, ça m'a marqué oui, aussi. Horizon, mais c'est vrai que je me dis, bon, je reste un peu sur ma faim. Et le design, plus j'avance, au début, j'ai été un peu hypée, et plus j'avance dans le temps, et plus je me dis, bon. Pas, peut-être un peu grossier, je sais pas. Donc j'ai quand même hâte hein, parce qu'il y a des jeux, par exemple Deathloop, je pense à Deathloop, ouais. ce jeu m'avait grave hypé, ouais. Returnal aussi dans l'espace, ouais. Il m'avait grave hypé aussi, mais voilà, c'est un peu, voilà, je suis contente, mais en même temps, j'attends, il y a des titres qui sont pas sortis et que j'aurais voulu voir sortis, mais c'est pas grave. Et après, pour Xbox, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas joueuse Xbox, mais je viens de me rappeler qu'en ce moment, je fais du Sea of Thieves, et en fait, c'est sur Xbox, hein, oui, mais oui. Sauf que je joue sur ordinateur. Oui. Ouais, voilà, exactement. Du coup, je pense que Xbox, je suis en train de checker, et il y a un jeu qui a l'air pas mal, c'est, que je vous retrouve le titre, ça s'appelle Drake Hollow. Et apparemment, ils l'ont annoncé, et ça peut être vachement ma cam. Alors, Drake Hollow, ça ne me dit rien comme ça. Ça me dit rien. En fait, c'est un monde en ruine qu'il faut explorer avec ses amis, rassembler des provisions, combattre des créatures sauvages. C'est grave mon kiff. Ouais. Donc, j'aime bien ce type de jeu. Et puis, les jeux de tir. Donc, en fait, forcément, Halo, contrairement à toi, Eric, moi j'aime bien les jeux de tir. Donc, Halo, j'ai Halo Infinite, ça me dit ouais. Bien. On espère en tout cas qu'il sera bon. Mais il y a du coup Conquerax dans le chat qui me dit yes, ça sort le 17. Donc ok, j'avais pas entendu parler, mais c'est vrai qu'il y a, un petit jeu, moi, non. Un petit jeu Xbox qu'on n'entend plus parler et qui me donnait vachement envie, c'est Tunic. C'était oui, un peu le, ouais, voilà, le Zelda version Xbox. Alors on n'entend plus parler. Il a été annoncé pourtant il y a 2 ans, mais on ne sait plus vers trop. Et il y a Amnesia qui arrive sur le chat. Coucou à toi Amnesia, ça fait très très plaisir. Oh, salut Amnesia. Et du coup, bon ben à voir. Mais c'est vrai que moi, du coup, de cette conférence Xbox, en fait, ce que j'en attends, c'est vraiment des nouvelles licences. Parce que justement, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'ils ont racheté une quinzaine de studios. Des studios. C'est pas n'importe quel studio, on parle de Ninja Theory, de Obsidian, on parle donc ils ont maintenant The Initiative qu'ils ont fondé. Donc j'attends vraiment des nouveautés. C'est vrai que comme tu le disais Eric, sur Xbox, on avait un peu l'impression d'avoir un peu toujours le même genre de jeu, toujours très orienté multijoueur. Bah, Forza. Voilà, Forza. Alors Forza, forcément, on imagine qu'il va arriver. Il y a Conquerage justement qui dit apparemment Fable déposé aujourd'hui. Donc il y a ça. Ça c'est cool. Bon, Fable, ça fait tellement longtemps que ça revient qu'à mon avis, c'est sûr et certain que ça va être annoncé. Mais c'est vrai que j'avoue, j'ai un peu l'impression qu'on est dans la meilleure période d'Xbox actuellement. C'est-à-dire que pour moi, voilà, je veux demander vos avis, ce que vous en pensez. Ils sont arrivés en 2001 avec une première console qui était très grosse, une manette très grosse, qui proposait pas mal de nouvelles licences qui étaient principalement la force de cette console, mais qui finalement ne s'est écoulé qu'à 20 millions d'exemplaires et qui a eu une durée de vie très faible, hein, parce qu'elle est arrivée en 2001 et en 2005, il y avait la Xbox 360 qui est arrivée. La Xbox 360, c'était un peu la révolution parce que là, bon, bah, console plus puissante, console qui est très variée, qui était vraiment très très bonne et qui a très bien marché. Puis on arrive sur la Xbox One où là, bon, bah, ça a été un peu un fiasco. Et là, ça fait depuis 2017 que Xbox prépare son avenir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est dans la meilleure période pour Microsoft? On rappelle, hein, ils vont avoir leur console qui sera plus puissante au niveau des teraflops. On va avoir une console qui sera accompagnée d'une multitude de services. Le Game Pass, le xCloud et maintenant une console qui dispose d'une multitude de studios pour faire des jeux très variés. Est-ce que vous avez ce sentiment que là, on arrive peut-être à un tournant de l'histoire d'Xbox? T'en penses quoi, Eric?
Ah oui, je pense qu'ils arrivent, en force, là, ils ont tout, ils ont pris la com en main déjà depuis le début là, pour les annonces. PlayStation était vachement en retard, et puis bon, bah, comme tu dis, ils ont tous les services, le Xbox Game Pass qui cartonne et qui a un super service, hein, franchement. Ils ont, bon, bah, et après, ils ont les serveurs Azure aussi qui louent même à Sony. Ouais. Donc là, ils sont en position de force, je pense. S'ils ratent pas leur com et qu'ils continuent sur leur lancée, je pense qu'ils sont en position de force. Après, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout sur la nouvelle génération là, qui arrive, c'est qu'il y aura la X qui sera plus puissante, la low card qui sera beaucoup moins puissante. Et normalement, la console, c'est le tous les joueurs sont sur un pied d'égalité. Alors, c'est ça qui risque normalement, de... Normalement, tu mets... Moi qui ai connu les toutes premières consoles, je veux dire, depuis le début des consoles, ça a toujours été un joueur sur console, qu'il soit en France, aux États-Unis, au fin fond du désert, il aura le même matos que tout le monde et il aura les mêmes résultats que tout le monde. Donc ça, je trouve un peu dommage, moi, ça, chez Xbox, quoi, parce qu'ils font des clans entre les riches et les moins riches. Et j'aime pas ça du tout. Alors que Sony, par exemple, là, il y aura deux PS5, mais ce sera la même puissance des deux côtés. Il y aura juste un lecteur en plus ou en moins. Alors, donc ça, il reste dans la mentalité pour la, console. Pour la low card, c'est en tout cas les rumeurs. Hein, les rumeurs annonceraient une console. C'est les rumeurs, oui. Alors c'est vrai que moi, je trouve aucun intérêt parce que finalement, du moment où tous les jeux Xbox Series X vont sortir sur Xbox One X, je ne vois absolument pas l'intérêt si ce n'est faire raquer deux fois le joueur en mode bon, bah allez, vous n'avez pas trop les moyens pour une Xbox nouvelle génération, prenez la low card, elle sera semi-nouvelle génération, elle sera un peu plus puissante que la Xbox One, mais moins puissante que la Series X, et plus tard vous prendrez. Alors, ouais, je trouve pas ça vraiment intéressant, mais bon, c'est les rumeurs. Peut-être qu'en vrai, ça va être tout simplement le fait que ce sera une console all digital, tout simplement. Donc ça, il va falloir attendre. Dans le chat... Ouais, faut espérer, hein, parce que... J'espère aussi, parce que sinon, ce serait vraiment un peu, on va dire, abusé. Et dans le chat, justement, Conquerax, qui nous fait qu'il est en train de mener sa petite enquête. Et quand Conquer fait une enquête, je peux vous dire que c'est pas une petite enquête, c'est bien poussé. Un Banjo et Kazooie nouvelle génération pourrait bien arriver, en tout cas beaucoup d'éléments indiquent, même si je me mouille encore un peu, ce serait quand même, j'en ai entendu parler, ça ce serait un gros coup. Et pareil, j'ai vu mon Conquer que tu as partagé la semaine dernière, le fait qu'il y aurait aussi un Conquer apparemment qui serait selon les rumeurs. J'imagine que c'est un peu comme moi pour Crash Bandicoot, j'imagine que si lors de la conférence Xbox un Conquer est annoncé, Sophie, tu vas le perdre. Hein. Je te le dis, tu vas le perdre. Ah oui, non mais lui, voilà, il va jouer nuit et jour. Mais ce serait quand même énorme de voir des licences comme ça. Ouais, parce que justement, avec Crash Bandicoot qui revient, c'est un peu le relancement des jeux de plateforme. Donc avoir un Conquer et avoir un Banjo-Kazooie, ce serait vraiment sur next-gen, un retour aux sources dans les plateformes. Mais apparemment, il dit non pour Conquer. C'est plutôt un fantasme en toute franchise, mon ami. J'ai vu que l'Xbox Live en avait parlé, mais malheureusement, aucune information. Imagine que justement les informations n'aient pas fuité et que ça arrive de nulle part. C'est comme ça les meilleures annonces. Ouais. Parce que bon, moi franchement, d'écoute, j'étais vachement dégoûté de l'annonce. Le truc, ça a leaké 3 jours avant, donc il n'y a aucune surprise. Et en plus, maintenant, ça fait 10 jours. Que tous les deux jours ils te balancent du gameplay, donc je l'ai dit hier, mais sortez directement le jeu en fait, hein. Parce que bon, ils sont en train de streamer le jeu, ouais, c'est ça. Ouais. T'imagines en fait une semaine avant, c'est ça, ils vont streamer le jeu, comme ça tu auras plus aucune surprise. Enfin, je comprends pas trop. En tout cas, pour revenir dans le sujet sur savoir la meilleure période d'Xbox, est-ce que Jeff, t'es toi aussi dans cet état d'esprit en te disant que là, bah en fait, ils peuvent pas être mieux armés, quoi? Ouais, bah, je rejoins complètement Eric, hein. Moi je trouve qu'ils ont toutes les cartes en main. Avant, c'est vrai que Xbox était toujours un petit peu derrière PlayStation. On se rappelle des conférences E3, c'était toujours PlayStation qui avait les meilleures conférences. Ils avaient tout compris, pas de blabla, des jeux, etc. Bon, bah là, c'est Xbox qui passe devant et ils proposent en plus des services. Maintenant, on n'attend plus que les jeux. Et donc, à voir. Moi, j'attends de toute façon la conférence, on jugera après. Mais par contre, je ne savais pas que la Xbox low card, c'est ça? Serait moins puissante. Moi, je pensais qu'elle serait juste all digital, en fait. C'est les rumeurs qui traînent depuis le confinement, que en fait cette low card serait en fait une transition. C'est-à-dire que elle serait, alors même les rumeurs qui datent, c'est un article que j'ai fait pendant le confinement, elle serait moins puissante en termes de teraflops que la Xbox One X, puisque la Xbox One X aurait 6 teraflops et la low card en aurait 4. Par contre, elle aurait tout ce qui est ray tracing, etc. de la nouvelle génération. Donc, ce serait vraiment une console intermédiaire entre la génération actuelle et la prochaine génération.
Est-ce que c'est franchement Il ferait mieux de baisser le prix de la One X pour à la limite que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent l'acheter. Et puis au lieu de s'embêter à créer une nouvelle console qui va sûrement pas se vendre, parce que je vois pas qui c'est qui achèterait ça honnêtement. Non, j'espère juste que ça sera la même, mais digital, ils ont intérêt à faire ouais, ça. Ouais, carrément. Parce que comme Sony. Carrément, quoi. Carrément. Et puis à 100€ moins cher, ou voire plus, et puis comme ça, tout le monde est content, on en a pour tous les goûts. Bah, carrément, moi je pense que c'est ça, parce que là, en fait, ça va un peu forcer les joueurs, comme disait Eric, qui n'ont pas trop les moyens de se dire, bon, ça reste une console next-gen, je l'achète. Et quand la Series X sera moins chère, de racheter une Series X. Donc, moi je trouve que ça pousse un peu à la consommation, surtout que Xbox est parti du postulat en disant que voilà, tous les jeux Xbox Series X pendant un an voire deux ans sortiront sur One X. Donc bon, enfin sur One, Xbox One, donc je sais pas. Mais pareil. Vas-y Eric. Non mais pareil, après moi ce qui m'énerve aussi chez Xbox, c'est qu'ils vont là, les jeux qui vont sortir sur Series X, ils vont sortir pendant deux ans aussi, ça va être ils vont sur la cross-gen. Donc ça sert à quoi? Parce que les jeux vont pas pouvoir exploiter à 100% la nouvelle génération de consoles, puisqu'il va falloir qu'ils tournent aussi sur les anciennes, donc ou sur la low-card qui sera moins puissante. Donc alors que Sony, eux, ils ont clairement annoncé qu'il y aurait des jeux qui tourneraient exclusivement sur PS5. Alors... Et moi je pense qu'en changeant de génération, d'autant plus qu'ils ont les moyens après de faire de la rétro compatibilité derrière, je vois pas l'intérêt de faire tourner des jeux sur toutes les plateformes. Alors, quoi. Selon, c'est un peu dommage. Selon Spencer et Microsoft, le développement des jeux next-gen ne serait pas impacté ni bridé par cet effet en fait de devoir développer les jeux sur deux consoles. Moi, j'en suis pas persuadé. On verra quand les jeux arriveront. En tout cas, pour rebondir dans le chat, Julia qui nous fait, en tout cas, c'est la première fois sur ce stream. Gros kiff sur les informations que j'apprends et sur le chat en lui-même. Bah, écoute, merci à toi, Julia. Je pense que c'est la communauté de Conquer et de Sophie. Donc, merci à toi de nous rejoindre. Et tant mieux si tu passes un bon moment. Void Aestra qui nous fait, oui, c'est pas faux, mais c'est aussi parce que ça a été introduit plus tard chez nous. Ça se démocratise tôt ou tard. Alors ça, du coup, je ne sais pas, c'est hors contexte le commentaire. Je ne sais pas trop sur quoi on parle. Conquerax, il nous fait, en gros, la Xbox part sur le côté du service. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée sur l'avenir. Ah, tout à fait, alors, c'est vrai, il y avait un commentaire même de... Alors, il est où mince, je l'ai perdu. Je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Void Aestra qui disait que, justement, apparemment, cette low-cart serait, en fait, totalement dédiée au X-Cloud. Donc... Non, c'est Famille de Geek. Ah, c'est Famille de Geek ouais, qui disait d'accord. Ça. Désolé, PTV, j'avais pas vu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi des rumeurs. Et là, ça prendrait du sens finalement qu'ils fassent cela pour un peu tester le marché. Donc, à voir. En tout cas, t'en penses quoi, Sophie, de tout ça à la fois de la position actuellement de Microsoft dans l'histoire d'Xbox et sur le fait de sortir une console un peu intermédiaire. Bah, honnêtement, déjà, je suis plutôt d'accord sur le fait que. Ils prennent bien en main tous les. Enfin, le côté service est vachement bien développé avec tout ce qu'ils proposent, le Game Pass, etc. Il y a des trucs hyper cool. Le fait d'avoir une low card en plus, une autre console en plus. En fait, moi, je comprends pas tellement le. Mis à part le côté, voilà, comme PS5, on a le truc assez. Voilà, on a la console très. Voilà, c'est plus dématérialisé, etc. Là, si la qualité est moindre, ça me perd un peu. Donc, j'espère vraiment que c'est que des bruits de couloir entre guillemets et que ça tient le coup parce que je comprends pas trop l'intérêt. On pourrait vite perdre les jeux en fait parce que au final, déjà moi, c'est quand même la première fois dans l'histoire du jeu vidéo qu'une nouvelle génération de consoles serait lancée avec deux consoles. Hein, parce que bon, Sony, c'est acté, c'est dit. Microsoft, oui. Toutes les rumeurs le semblent annoncer, c'est-à-dire qu'en fin d'année, quand la Xbox Series X et la PS5 vont sortir, il n'y aura pas une, mais deux consoles de chaque côté, donc ça fera quatre consoles. C'est ça. Alors oui, ouais. On a l'impression d'être chez Apple, en fait. Il y avait la Xbox 360 qui avait, effectivement, Conquerax nous dit, la 360 qui avait la Premium et la Core, mais là, en fait, c'est vraiment des deux parties. Et autant bien, Microsoft peut même nous faire le truc d'en avoir trois. Hein. Peut-être qu'ils vont avoir... parce que si la low-cart, c'est juste ça... le côté un peu pour mettre en avant le service, ils peuvent aussi faire la all digital. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Ça ressemble quand même de plus en plus à des lancements de smartphones. C'est ça. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît pas du tout. T'en penses quoi, toi, Jeff? Ah, du tout. Ah non, mais moi, ça me plaît pas du tout non plus. S'ils commencent à partir là-dedans, effectivement... si tous les ans, il va falloir qu'on change de console parce qu'il y a un truc en plus et tout, je vois pas l'intérêt.
Je sais pas quel public ils essayent de viser. Enfin, ils savent très bien que des gamers, ils achèteront leur console après faire un truc moins puissant, moins cher, pour que ça soit plus adapté à ceux qui ont moins d'argent. Enfin, je vois pas le truc quoi. Enfin, franchement, là, je comprendrais pas du tout la com Xbox pour ce coup-là qui a fait zéro faute pour moi. Là, ça serait une faute, tu vois. Ouais. Alors, toi, t'en penses quoi, Eric ? Dans le chat, il y a Amnesia qui nous fait « Bientôt, ils vont faire comme Nintendo et leur New 3DS, elle sera vendue sans chargeur. Là, faudra acheter les câbles d'alimentation des consoles. » T'imagines ? Ce serait le scandale complet, mais voir. Pareil, il y a Conquer qui nous fait « Attention, la Lockhart, c'est une spéciale Game Pass, je pense. » Alors, en fait, le problème, c'est ça. C'est que la Lockhart, on ne sait pas. Parce qu'à la base, la Lockhart, c'était la même console, uniquement digitale. Après, c'était la même console, mais qui favorisait les services, notamment le Game Pass et le Xbox. Et là, maintenant, ce serait une console avec un lecteur, mais qui serait moins puissante. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, et c'est ça, en fait. Est-ce que, du coup, il y a beaucoup d'informations, parce que finalement, il y aurait deux lockers, une digitale et une moins puissante, ou est-ce que, voilà, et c'est pour ça qu'en fait, à mon avis, il va falloir vraiment que Microsoft communique vite là-dessus. Mais ce côté un peu jeu vidéo qui devient un peu un marché de smartphone, parce que comme on l'a dit, et c'était Julia en début de chat qui disait que des consoles aussi chères que des PC, c'est scandaleux, mais au final on se dit, tous les ans Apple, Samsung sortent des smartphones à 1000-1200 euros, et tous les ans ça se vend. Ah oui. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas aussi en arriver là dans les consoles? Au final, ils arrivent un peu à lancer des gammes qui seraient, voilà, donc l'iPhone, t'as l'iPhone S Max et tout à 1400 euros, c'est l'iPhone Premium, donc là ce serait la PS5 et la Xbox Series X. Puis t'as l'iPhone Color qui est avec des matériaux moins prestigieux et une bonne puissance. Ce serait un peu la Lockhart. Est-ce qu'on arriverait là-dedans? Mais ça va perdre tout le monde. Et puis pour moi, c'est plus du jeu vidéo. T'en penses quoi, toi, Eric? Ah oui, mais moi, je pense qu'ils vont perdre tout le monde. Ils perdront des joueurs et ils ne vont pas forcément y gagner. Hein, parce que ça sert à... Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, moi, je n'irai pas acheter des consoles tous les ans. En fait, ce n'est pas une question de moyens, mais je veux dire, voilà, je ne veux pas changer de console tous les ans. Hein, je ne me vois pas faire ça. Quoi. Déjà que... Après, tu... Oui. Avec des consoles moins puissantes, tu disais que ça impacterait peut-être pas les jeux, mais si, parce que par exemple, si sur Xbox, s'ils exploitaient la 100% la série X, ils pourraient faire des jeux avec une meilleure intelligence artificielle, avec plus de possibilités dans le jeu, faire des jeux beaucoup plus ouverts, encore plus ouverts, que c'est pas que graphique, quoi, pour moi. Enfin, moi, les jeux, c'est pas que graphique. Les claques graphiques, j'en veux, mais je veux pas que ça. Exactement. Quoi. Donc, Exactement, et Julia, elle fait une bonne remarque, puisqu'elle fait, t'es un mec lambda, tu te dis, tiens, ça a l'air cool cette console, tu vas acheter de la Lockhart et elle est moins chère, t'es un noob dans le milieu, tu payes. Ben c'est ça en fait. Le truc c'est que en plus là ça va être pour logiquement sortir en novembre. Donc imaginez tous les grands-parents, tous les oncles, ça, qui vont acheter des consoles pour les enfants et tout. Mais ça va être, t'imagines, déjà. Ils se retrouvent avec juste comme ça. La Xbox Discount. T'imagines, déjà. Et les gamins qui vont faire des caprices à l'ouverture du cadeau en disant « Mais je voulais pas la Lockhart, je voulais la Mais c'est ça, déjà, t'imagines, quand les consoles sont lancées à une semaine d'intervalle, pour faire comprendre quand même à ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, la différence entre PlayStation, Xbox, il y a des gens qui peuvent se tromper. Mais alors si t'as 3 Xbox d'un côté et 2 PlayStation de l'autre, que t'as 5 consoles, non mais ça va être ça va être l'anarchie complète en fait. Enfin, ça va, enfin je sais pas, c'est vrai qu'en tout cas et même dans le chat apparemment tout le monde est un peu contre tout ça. En plus de Xbox, je trouve que le nom est extrêmement mal choisi, c'est à dire que Xbox Series X, c'est énormément proche de Xbox One X. Et pour avoir reçu des joueurs en situation de handicap, hein, alors Microsoft qui en plus est un peu le porte-étendard du handicap, il y a plein de personnes qui ont dit, mais pour des joueurs qui sont handicapés mental, mais ça va être super compliqué de faire la différence. Et du coup, donc, je ne comprends pas trop l'idée et la stratégie autour de Microsoft. Et en fait, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit, dès l'annonce de la console, ils ont un peu enchaîné des coups de com' parfaits, parce que ils ont balancé les caractéristiques par des communiqués de presse qui étaient beaucoup plus digestes que la grosse conférence PlayStation. Ils ont vraiment enchaîné et fait un peu le sans faute tout ça. Mais là, on a un peu l'impression qu'au plus ça arrive et que le moment fatidique arrive, qu'un peu plus on est en train de perdre pied. Et Conquer qui nous fait, j'avoue que ça aurait été moins compliqué de l'appeler la 720, limite, ou même juste Xbox. Parce qu'en fait, Phil Spencer, c'est ça, ils disent non, mais en fait, c'est pas la Series X, c'est la Xbox. Mais dans ce cas-là, si c'est la Xbox, pourquoi avoir parlé de Series X ?
C'est ça qui est un peu compliqué. Est-ce que vous y croyez? Parce que justement, Xbox a envie un peu de créer un écosystème et rassembler les consoles et le PC pour faire en fait juste un écosystème qui s'appelle Xbox. Est-ce que ça, pour vous, c'est clair? Oui. Et est-ce que vous y croyez? T'en penses quoi, Eric? Moi, je crois qu'ils y vont tout droit. Oui, ça c'est clair. Et puis, comme ils se tournent de plus en plus vers le service et que les consoles, maintenant, il l'a clairement dit, Phil Spencer, que les consoles, pour lui, ça n'avait plus d'importance. Donc, ils étaient plus tournés vers le service, apparemment. Donc, oui, ils y vont tout droit, là, ça, c'est sûr. Et toi, t'en penses quoi, donc, Jeff, sur ça? Est-ce que tu aimes ce côté où, en fait, où bah, tout le jeu vidéo, enfin, tout l'architecte Xbox devient... Parce que ça, en fait, t'achètes ton jeu sur Xbox One, il est offert sur PC. Tu commences ton jeu sur Xbox One, les sauvegardes sont cross-save, donc tu peux continuer sur PC. Au final, en fait, est-ce que c'est même intéressant d'acheter une Xbox? Est-ce qu'on peut pas directement prendre un PC? Vous en pensez quoi? T'en penses quoi, Sophie? Exactement. Moi, j'achète la manette et je joue sur PC. Je pense que, bah, c'est que de ce point de vue, je me dis, ça sert à quoi d'acheter une console si en fait tous les jeux et toute la progression de tes jeux sur la console sont aussi sur PC? Parce que le PC, ça coûte cher. Oui, mais au final, si le mec il profite de son jeu PC aussi parce qu'il l'offre, c'est-à-dire qu'il a le PC qui va avec, tu vois? Bah oui, mais si c'est juste pour jouer, bah c'est bien. Ah, si il a pas de PC, effectivement, tu prends la console. Mais si t'as déjà ton PC, t'es tranquille dessus et tout, genre ça sert à rien. Le problème, c'est que le PC il va durer 2 ans, après il va falloir acheter une carte à 700 €. Donc je pense que la question elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. La référence. Surtout quand on regarde le prix. Alors écoutez, les jeunes entrepreneurs, vous avez compris, hein, Jeff vous a expliqué. Hein, non mais en fait, moi je pars du principe en disant que comme on part sur l'effet que les consoles coûteraient très cher, on parle de 600 € apparemment. Au bout d'un moment, parce que pareil, faut pas oublier une chose, c'est qu'en 2020, on va avoir nos consoles, mais en 2022-2023, on risque d'avoir, comme à chaque fois, la console intermédiaire qui va être aussi un peu plus puissante. Est-ce que du coup, ça vaut le coup maintenant, j'ai envie de dire? Parce que quand tu achètes une PS4 à 400 € et que 3 ans plus tard, tu rachètes ta PS4 Pro à 400 €, bon, ça fait 800 € les deux. Ça fait quand même cher, mais voilà. Ça sera toujours moins cher qu'un PC. Là, si tu as ta Xbox Series X à 600 € et que dans 3 ans, tu as à nouveau une Xbox Series X. Oui, mais tu sais très bien qu'ils te font... Tu rends ton ancienne console et puis tu dépenses 200 € plus pour avoir une nouvelle. Ouais, mais ça perd vachement parce que pour racontage de life, je me suis procuré la Xbox One X Cyberpunk et du coup je suis en train de vendre ma Xbox One X normale. Donc elle est pratiquement neuve, parce que moi je suis quand même très très maniaque dans la vie, mais avec mes consoles c'est pire. Elle est dans sa boîte avec toute la manette, les câbles d'origine, donc je l'ai remis nickel. Les magasins te la reprennent entre 120 et 150 €. Bah oui, mais c'est normal, ils sont en train de casser les prix Xbox sur les X en ce moment, elles sont à 200, on les touche partout, un peu partout, à 299. Ouais, ouais. Mais du coup. Non, mais après, il y a un truc aussi, ce que je veux dire, c'est que s'ils mettent, comme tu disais, t'as ta Xbox et t'as aussi les jeux PC et tout. Pour le mec qui est juste gamer, qui a pas besoin d'avoir PC chez lui, parce que je sais pas, le mec travaille pas sur PC, il s'en fout, parce qu'un PC ça prend aussi de la place. Moi je trouve ça très bien. Après, comme disait Venus, si t'as déjà un bon PC chez toi, effectivement ça sert à rien d'acheter la Xbox. Carrément. Mais tard, si t'as envie de changer par exemple de matériel de PC, etc., et que ça te revient encore à 1000 balles, tu vas peut-être te poser la question, tu vois, si c'est pour jouer. C'est ça. Et pour te répondre, Greg, je vends la One X 220 parce que c'est ça qui est abusé. C'est que dans tous les magasins que je suis allé, ils me la reprenaient entre 120 et 150 €. Mais quand t'allais en rayon, ils la revendaient 260 € la console. Et je leur ai dit, vous faites une sacrée marge. Du coup, moi, ma One X, je la vends 220 €. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à venir voir par MP. Mais je trouve quand même que si ça fait toujours pareil, parce que pareil, tu achètes ta Xbox Series X, mais à l'approche de la version nouvelle dans 3 ans, il te casse à nouveau les prix, au final, le joueur sera toujours perdant. Et là, comme l'a dit Sophie et Jeff, peut-être que ce serait plus avantageux d'être sur PC. Maintenant, il y a l'apéro Le Bon Coin. C'est totalement ça. Et du coup, la One X, elle est en boîte. Enfin, elle est en boîte avec le matériel, la manette, les câbles, tout est nickel. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez intérêt, on peut en parler hors apéro Le Bon Coin, justement. Si vous voulez des photos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais en tout cas, justement, comme on dit, peut-être que cette low-cart aussi serait à fond orientée vers les services, et notamment
Le xCloud. Et est-ce que ce ne serait pas aussi une stratégie et se dire que peut-être, en fait, je me trompe totalement et que dans 3 ans, on n'ait pas de nouvelle console, puisque ce serait peut-être la dernière Xbox de Microsoft, puisque dans peut-être 3-4 ans, eh ben, on aura juste sur nos smart TV l'application Game Pass et avec nos smartphones, eh ben, le xCloud. Vous en pensez quoi de ça? Et est-ce que justement, c'est quelque chose qui vous intéresse? Je commence par toi, Sophie. Est-ce que en fait, jouer aux jeux vidéo vraiment comme tu jouerais à Netflix avec une application sur ta télé ou via son smartphone pour y jouer un peu partout, c'est quelque chose qui t'intéresserait et que c'est un avenir du jeu vidéo qui te plaît? Honnêtement, si on me promet la même qualité, si j'ai la manette, ouais, pourquoi pas. Ouais. Honnêtement, pourquoi pas, si ça reste vraiment... Après, c'est cool parce que dans le sens où quand tu pars en voyage, que tu as envie d'avoir tes jeux avec toi et tout, c'est plutôt sympa. L'idée est cool hein, en soi, c'est plutôt séduisant, mais technique. Enfin, il faut voir graphiquement si ça suit, il faut voir si ça détériore pas l'expérience, mm-hmm. entre guillemets. C'est ça. Tu vois. Donc, à voir. Mais si c'est possible et que ça tient le coup et que c'est waouh, l'effet waouh, bah ouais. Moi, je signe. Moi, je suis comme toi, Conquer. Je suis trop attiré par le matériel. Donc, moi, vraiment, c'est une. C'est... Oui, mais parce que vous êtes des collectionneurs. Bah aussi. Oui, mais ouais, en même temps, t'imagines. Alors, c'est vrai, hein. Je me mets dans mon truc. Tu pars en week-end avec ta copine, etc. Tu arrives à un hôtel, tu te fais chier. Il y a l'application Game Pass dans la chambre. Tu te connectes avec ton compte. T'as tes sauvegardes, t'as tout. À des centaines ouais. de kilomètres chez toi. C'est vrai que c'est. Mais ça va être ça. En vrai, c'est un voilà, comme Netflix en fait. Au final, comme Netflix. C'est-à-dire que tu arrives, ouais. voilà. Mais il faut pas oublier ta manette, faut pas oublier tes petits. Voilà. Ouais, ta manette, tu vois, tu la prendrais parce que voilà, après, ouais. comme tu as le xCloud, tu peux aussi y jouer dans le train. Donc, tu vois. Alors, c'est vrai que comme ça, le côté pratique, ça me plaît. Mais maintenant, y jouer comme ça chez moi, ne plus, tu vois, quand t'as ton jeu qui sort, t'as la boule au ventre en disant, tiens, ce jeu, je l'attends depuis des années, il arrive. Et finalement, en fait, bah, c'est juste que tu le découvres via une télé. T'as pas ta petite boîte, ton petit unboxing, etc. Ça me fait quelque chose. Toi, t'en penses quoi, Eric? Est-ce que c'est un avenir du jeu vidéo qui te plaît? Oui et non. Ouais, c'est vrai qu'avant, j'étais plus comme toi, ouvrir la boîte, aller chercher le jeu et tout. Bon, c'est vrai que maintenant, j'en télécharge et j'en achète en numérique de plus en plus. Mais après, je pense que c'est trop tôt pour la prochaine génération. Je pense qu'il y aura encore une ou deux générations de consoles. Et après, peut-être, on passera à tout l'exclusif digital sur les télés, sur tout ça. Parce qu'après, moi, j'ai les XCloud, mais je peux pas m'en servir, j'ai pas de connexion. Ah ouais, le XCloud, parce que le Game Pass, on peut le télécharger. Mais même après le Game Pass sur les télés, je pense qu'il faudra quand même une bonne connexion aussi, parce que s'il te faut une semaine pour télécharger ton jeu, ça risque d'être compliqué quand même. Ah oui. Je pense pas que la France soit prête tout de suite. Hein. Alors, c'est vrai que pour moi, je pense pas. Après, quand tu dis encore une ou deux générations, moi je suis pas optimiste que ça malheureusement. Il faut savoir qu'une génération, c'est en moyenne 6 ans. Donc deux, ça fait 12 ouais, ans. C'est vrai. Peut-être une, peut-être qu'on aura la chance d'avoir une PS6, mais déjà, moi, ça fait déjà pas mal de temps que je le dis, qu'il n'y aura même pas de console intermédiaire. Je pense que par exemple, pour. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que les bruits courent, que les consoles vont disparaître. Hein, moi, à mon avis. Ça fera peut-être pas deux générations, ouais, ça c'est sûr. J'ai déjà peur, en fait, qu'on n'ait même pas de par exemple, de PS5 Pro, et que dans 3-4 ans, Sony nous ressorte un peu une PlayStation TV, que tu branches un peu partout, et que tu puisses avoir tes services comme ça. Et j'ai peur que Xbox se lance aussi dans cette voie-là. En vrai, ça fait de la peine. Ah ouais, mais carrément. Enfin, ne plus avoir. Ils ont intérêt à fibrer la France alors. Hein, oui, ça, à mon avis, de fibrer la France. Et puis, il a intérêt de faire plein de choses. Parce que c'est pas tout le monde qui aura envie de faire ça. Vous imaginez la tristesse de ne plus découvrir de reveal de console. Ah non, console, c'est trop triste. C'est-à-dire que là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design de la PS5, à la fin de la conférence, quand tout le monde a compris qu'elle était en train d'être révélée, t'avais des frissons, t'étais donc comme ça en mode je veux l'avoir, ça on l'aura plus. Hein. C'est quelque chose que je suis pas prêt à vivre, mais comme je dis, ça évolue tellement vite. Si vous regardez le lancement de la Xbox One et maintenant, en 7 ans, la communication de la Xbox One il y a 7 ans n'aurait pas été la même aujourd'hui, elle n'aurait pas bidé comme ça, parce que ça évolue énormément. Et Conquer qui nous fait, il y a déjà plus de 2-3. Déjà, ne parle pas de ça. Ne parle plus de 3, ça me fait déjà trop mal au cœur. Non, moi, je suis pas prêt. Hein. Je suis pas prêt pour ça. C'est pour moi une vision du jeu vidéo qui est très triste. Je pense que le 3, il est mort définitivement. Ne dis pas ça, Eric. Ne dis pas ça. Au contraire. Non. Bah, non, je suis pas pour, hein, mais je pense que là, ça c'est. Moi, ça sent le sapin du côté de l'E3. Honnêtement, hein. je tenais ce discours en mai,
quand ils ont lancé le Summer Game Fest. Quand ils ont lancé le Summer Game Fest, je me fais aïe aïe aïe, le 3 ça sent mauvais. Mais honnêtement, je trouve que le Summer Game Fest est tellement bidon, mais c'est tellement pourri, vraiment. Là, actuellement, il n'y a aucun moment du Summer Game Fest où j'ai vibré, à part la conférence PlayStation et peut-être la conférence Xbox, mais c'est bidon. Cyberpunk. Même Cyberpunk, honnêtement, ça ne m'a pas fait vibrer. Parce que je trouve que, voilà, quand tu arrives et Cyberpunk, tu as ton petit événement de 20 minutes, voilà. Je préfère limite qu'ils te fassent ça bien emmené dans une conférence Xbox et que, bah, comme l'année dernière, quand j'ai vécu l'arrivée sur scène de Keanu Reeves, j'étais dans la salle, mais j'ai perdu mes poils tellement que je frissonnais, quoi. Là, t'es là, les mecs, ils sont là, ils sont tous via leur webcam, ils annoncent. Moi, je trouve que le Summer Game Fest est un bide monumental et c'est ce qui me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir parce que je me dis, si c'est un bide, peut-être qu'on va se rendre compte que les joueurs ont besoin, et les éditeurs aussi ont besoin de ces conférences comme le 3. Donc c'est le petit truc. Vous en pensez quoi d'ailleurs du Summer Game Fest pour moi? Toi Jeff, est-ce que tu l'as suivi? Déjà, pour le suivre, je trouve que c'est une merde monumentale. Tu ne sais jamais quand il y a des événements. Des fois, tu as des événements qui sont prévus 48 heures à l'avance, donc tu es complètement perdu. Il faut en fait, ça te force à être obligatoirement sur ton téléphone 24 heures sur 24 pour être sûr de rien rater. Enfin, moi je trouve que c'est pourri. T'en penses quoi toi Jeff? Le truc c'est que, enfin je sais pas, moi pour moi réduire le, enfin annuler le 3, le mettre en mode virtuel, c'est comme si tu mettais le CES en mode virtuel, c'est juste pas possible, parce que les gens ils ont besoin de se rencontrer, d'échanger les contacts, les développeurs ont besoin de se rencontrer entre eux, ont besoin de rencontrer les journalistes, donc rien que pour ça, je vois pas comment ils pourraient faire un truc entièrement virtuel, et puis ça crée une hype pas possible à chaque fois le 3, donc comme tu dis là, le Summer Game Fest, la hype on l'a pas du tout quoi. Donc, moi je pense que c'est pas mort le 3. Enfin, tu me diras, après ça dépend des Américains. Oui. Quand tu me diras, le jour où ils décideront de respecter les barrières et de mettre des masques et faire les gestes de sécurité, peut-être qu'on aura une chance d'avoir un E3 l'année prochaine. Parce que là, vu comme on est parti, le 3 va revenir en 2030. Il y a un petit message de Bars qui fait pas besoin de crème épilatoire pour Chris, montrez-lui juste Keanu Reeves. Ça peut être dit bizarrement comme ça, pas vraiment. Mais du coup, toi, Sophie, est-ce que ce Summer Game Fest, ça te plaît? Et déjà, est-ce que tu l'as suivi? Alors, je ne l'ai pas suivi, mais honnêtement, je suis coronavirus, pas coronavirus. En fait, je crains de plus en plus pour l'avenir du jeu vidéo et de comment ça va évoluer. Parce que si tout disparaît, ça va être extrêmement triste. S'il n'y a plus d'événements, il n'y aura plus rien. Ça va être, ça va être banalisé. Ça va être, ok, on sort un film, on le met direct en streaming. Enfin, c'est la même chose. Ça va devenir vraiment très triste, en fait. Justement, on n'événementialise plus les JV et tout ça. Je sens que ça va tirer vers le bas, en fait. Il n'y aura plus de joie. C'est ça. Et puis, en plus, je trouve que avant le 3, la Gamescom, le TGS, enfin tous les événements, tu savais que voilà, tu savais un an à l'avance quand c'était et tu savais que pendant 3-4 jours, t'en prenais plein la tête. Même s'il n'y avait pas de grosses annonces, tu savais que tu avais 3 jours de conférence, 3 jours et tout, et donc tu étais à fond dans cette passion. Là, c'est étendu déjà sur 4 mois, de mai à août, tu ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Et tu as peut-être des conférences une fois par semaine ou tout, mais c'est. Enfin, toi, Eric, est-ce que tu l'as suivi ce Summer Game Fest? J'essaye de le suivre, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est pas évident de rien louper. Après, au début du Covid, j'ai dit, super, ça va tout passer en digital, ça va être génial, machin et tout. Puis je m'aperçois qu'après, c'est mieux de faire des conférences dans des lieux bien précis. Déjà, pour les professionnels, c'est vrai qu'ils se rencontrent, ils échangent, machin, c'est important pour faire avancer. Et après, pour nous, simples joueurs, c'est vrai qu'on suit nos youtubeurs ou les sites à droite à gauche, et c'est vrai que c'est un plaisir de lire les reportages, de voir les conférences au moment où elles se passent en direct, comme pour le 3 par exemple, et finalement avec le recul maintenant je dirais c'est mieux en physique qu'en virtuel quand même. Alors c'est l'inverse avant, mais c'est pour ça que du coup là, et ça m'encourage dans mon fait que je pense qu'on a tous dit lorsque le Summer Game Fest est annoncé, on s'est tous dit aïe aïe aïe, ça va faire mal, mais là en fait c'est tellement en train de bad buzzer. Parce que je vois personne en fait, je vois aucune hype sur les réseaux sociaux. On est quand même, même pour Cyberpunk, mais ça n'a pas trop mal fait parler. Et le problème, c'est qu'ils essaient d'entretenir le mystère avec des annonces mystères.
La première, c'était Tony Hawk. Bon, ça a complètement bidé. La deuxième, c'était Crash. Bah, Crash, on l'a su 3 jours à l'avance. voilà. Donc, il n'y a aucun effet de surprise. C'est-à-dire que les mecs, ils n'arrivent même pas à garder la surprise. C'est-à-dire, enfin, je comprends pas. La présentation de l'Unreal Engine 5, elle a été prévue moins de 24 heures à l'avance. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment fait au dernier moment. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, en plus, on a un période estivale. Tout le monde n'est pas sur son téléphone H24, mais tu peux tellement louper des trucs. Il y avait la conférence PC Game Show. Alors celle-là, je n'en avais même pas entendu parler. J'en ai entendu parler en fait pendant qu'elle était. Voilà. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je l'ai vu après celle-là. Donc. En fait, moi, je pense que la grosse erreur, c'est qu'ils ont voulu étaler ça sur tout l'été. Ils auraient dû condenser ça en 2 semaines, et puis comme ça, tout le monde serait concentré dessus pendant 2 semaines. Et puis il y a plein de choses qui sont mais totalement illogiques. Déjà, quand ils l'ont annoncé, ils ont dit, bah voilà, la Summer Game Fest phase 1, il y a tous ses partenaires. Mais en fait, tu ne sais même pas ce que c'est la phase 1. Combien de temps elle dure? Est-ce que ça va être une phase par mois? Tu as une annonce d'Electronic Arts à la conférence PlayStation. Tu te dis, bon, bah, si le logo Electronic Arts c'était pour PlayStation ou ils vont faire un événement? Tu ne sais rien. Et c'est nul. Je pense que le Geoff Keighley, il faudrait un peu qu'il se remette en question parce que déjà que ses Game Awards d'année en année ne sont pas terribles. Là, il a voulu à organiser ça. Et moi, je trouve, voilà, comme tu dis, Jeff, ils auraient dû limite couper la poire en deux. C'est-à-dire que plutôt de faire de mai à août, fin juillet, ils te font 10 jours où tu balances tout. Voilà. Mais là, moi en tout cas, je peux vous le dire. Alors qu'il y a les amis du Hub qui nous rejoignent. Hub Desmo, bonsoir à toi. Tu viens de rater une belle discussion où on a bien craché sur le Summer Game Fest. Et on va voir. Et pour rappel, pour le Summer Game Fest, c'est un événement qui réunit l'E3 et la Gamescom. Hein. C'est pas que pour remplacer le 3, parce que la Gamescom est aussi morte. Donc à voir, mais c'est vrai que vu comme on est en train de partir pour le moment, j'ai bien peur malheureusement que on soit pas prêt de revoir des événements physiques. Déjà Microsoft a annoncé que jusqu'à juillet 2021, ils annulaient tous leurs événements physiques. Donc c'est-à-dire que logiquement, le 3 2021 qui doit se dérouler du 14 au 17, si je dis pas bêtise, juin, Microsoft n'y sera pas. En tout cas, les amis, ça fait déjà 1h05 qu'on est en live. Ça passe très très vite. Ce que je vous propose, c'est de partir sur la dernière partie de l'émission, qui est le dernier verre, pour qu'on puisse un peu discuter sur une touche positive et pour terminer comme il se doit cette émission. C'est parti. De retour dans cette émission pour le dernier verre et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de l'émission. Forcément à Mon Conquer qui était là, à Julia, à moi 97450 et Minvoan et pas mal de personnes qui étaient là. Vraiment un énorme merci. Merci à Conqueras qui m'a fait un petit super chat. Je l'ai même pas vu. D'ailleurs, je suis désolé, mon Conqueras. Je te fais de gros bisous. Ça me fait très très plaisir. Je l'ai même pas vu le chat. Pourtant, je le suis, mais je n'ai pas vu. Un grand merci à toi. Et du coup, on va finir cette émission sur le dernier verre et sur le mot de la fin. Est-ce que vous avez des choses, des attentes particulières? Est-ce qu'il y a un jeu qui a été annoncé ou un jeu qui n'a pas été annoncé? Quelque chose que vous attendez particulièrement, des projets, des choses? C'est à vous de nous le dire. On va commencer par toi, Eric. Est-ce que tu as des attentes particulières, un jeu qui est annoncé, une console particulière? Qu'est-ce que tu attends pour cet été? De continuer à avoir des belles surprises, voir des nouveautés, voir des nouvelles choses, de nouvelles licences, parce que j'en ai marre de refaire des suites et des suites et des suites. Donc, des nouveaux héros de jeux vidéo, que les créateurs se cassent un peu la tête pour nous sortir des choses nouvelles, qui prennent des risques, surtout, parce qu'on est là, qui nous surprennent, quoi. Après, voilà. Et à savoir le prix des nouvelles consoles, pour savoir vers quelle plateforme je vais me tourner. Et justement, quand on saura les jeux et les prix, après, il n'y aura plus qu'à réserver et à décider. Et dernière petite question pour toi. Jusqu'à quel prix es-tu prêt à mettre pour une console nouvelle génération? Je pense qu'il ne faudrait pas dépasser la barre des 500 euros quand même. Ça semble. Déjà, apparemment, les bruits qui courent, la PlayStation serait à 399. Donc 399, la version digitale, et 499. Non, là, c'est il me semble que c'est 399 la version normale et 349 la version digitale. Parce que deux fois la rumeur est sortie, donc si elle est vraie. Je ne l'ai pas vu. Moi, ça me semble très peu. Vu.
ce qui est dans la console. 50 euros, autant prendre la. Moi, ça me semble très très faible en fait, parce qu'en fait, la console, vu ce qui est en barque dedans, les composants sont assez chers. Donc bon, s'ils font ça et s'ils peuvent se le permettre, jackpot. Un peu l'argent. Jackpot, hein, s'ils font ça. Mais moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de 499, 399. Donc à voir. Mais en tout cas, je pense. Je pense aussi. Hein, mais je pense en tout cas, de ce qu'on peut voir sur internet, la barre des 500 euros, psychologiquement, c'est à ne pas dépasser pour les joueurs. Je pense vraiment que les joueurs sont tous intransigeants là-dessus. Donc, ok, très bien. Et du coup, donc, tu partirais sur une next-gen day one ou les deux? Ah oui, normalement, non, une. Ce sera une déjà pour voir. Et puis, en fonction des licences qui vont être annoncées, des jeux qui vont être annoncés, ce sera une au départ. Et on verra après pour l'autre. Mais non, pas deux consoles en même temps. Okay. Non. Ok, très bien, ça marche. Non, j'ai que demain pour tenir la manette. T'as bien raison, mais et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça, donc ça va être déterminant les jeux de lancement, le line-up de lancement et le prix. Donc. Et encore, moi je me plains pas parce que j'ai beaucoup de temps pour jouer, donc voilà quoi. Donc après tout le monde n'a pas tant de temps. Donc. Puis comme dit Alex Jack, il faut les moyens. C'est vrai que deux consoles next-gen d'un coup. Ah bah après oui. C'est un sacré budget. Ok. À toi mon Jeff, le petit mot de la fin. Donc qu'est-ce que tu attends pour cet été? Qu'est-ce que tu attends pour la rentrée et est-ce que ce sera day one pour toi la next gen et à quel prix? Alors ce que j'attends cet été, c'est Mafia Remake. Ah oui, c'est vrai. Un moment. En plus je m'y attendais pas du tout, donc je suis super content. Ensuite, ce que j'attends, c'est surtout de voir un peu une évolution de la VR, parce que je trouve ça super bien, mais je trouve que les jeux sont pas encore intéressants sur console, donc j'attends des vrais AAA version VR, ça peut être super bien. Et Day One, bah écoute, ça dépend. Je pense pas, moi en général j'attends toujours un an ou deux, parce que bon, les premiers jeux, tu sais, commencer, c'est pas vraiment la next gen direct. Mais bon, si Xbox propose un abonnement et que tu acquiesces si c'est pour acquiescer la console au bout de 2 ans, bah pourquoi pas. Alors ça, justement, on en avait parlé hier et j'ai un peu regardé, apparemment ce serait ça, ce serait un abonnement. Alors, toujours pas pour la France, hein. Pour la France, c'est pas, mais ce serait 24 mois d'engagement et après la console sera à toi. Mais même à ce prix-là, je pense que pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est une très très bonne alternative pour pouvoir bénéficier d'une next-gen lors de son lancement. Ok. De ton côté, Sophie, qu'est-ce que tu attends pour cet été? Est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais voir annoncer? Est-ce que tu as un jeu que tu attends particulièrement pour la conférence Xbox? Et qu'est-ce que ça va être pour toi pour la next-gen? Honnêtement, pareil, comme Eric, en fait, j'attends plein de surprises. J'ai envie qu'on me surprenne, en fait. En ce moment, j'ai besoin de souffle nouveau. J'ai besoin de nouvelles licences, d'être. Après, il faut que je me plonge entre guillemets un peu plus, je pense, dans tout ce qui est univers Xbox, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de découvrir malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai un besoin de nouveautés pour ce qui est de. Ouais, moi, j'accroche beaucoup déjà à Sea of Thieves, donc si on me sort des jeux comme ça, je prends quoi. J'adore. Je suis fan absolu. Après, pour ce qui est des prix. Honnêtement, je suis complètement alignée. 500 euros, je pourrais pas plus psychologiquement, ça me bloquerait. Et intimement, je rêve d'un 299, tu vois, dans la tête, mais c'est impossible. Ce serait bien, mais. Ah, c'est incroyable. Mais alors là, je pense que tout le monde est choqué. Des consoles next-gen qui seraient aussi chères, voire moins chères que les consoles actuelles. Ce serait n'importe quoi, ce serait complètement dingue. Ce serait n'importe quoi. Mais c'est vrai que la barre symbolique du 500 euros, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore traumatisés du 600 euros de la PS3. Et je pense que c'est vraiment la barre symbolique à ne pas dépasser. En tout cas, les amis, un grand merci à vous. C'était vraiment un grand plaisir de passer une heure en votre compagnie. Merci au chat et à la Conquers Family qui était là du coup dans le chat. Ça me fait très très plaisir de vous recevoir à chaque fois. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc The Number, moi 87450, mon Conquers, Sisney Valentine qui était là, Hub Dasmo qui était là. Merci vraiment à tous, à Alexjack TV, mes modérateurs, les modos voilà, qui sont là. Merci à tous, Nemesis qui est encore là. Merci à tous, on se retrouve demain du coup pour le dernier apéro de la semaine. Pour ceux qui découvrent l'émission maintenant, qui ont apprécié, bah déjà un merci à vous, je pense à Julien. Ne vous inquiétez pas, pendant un mois et demi, il y aura une petite pause pour que je travaille sur de nouveaux concepts, sur de nouvelles émissions, sur de nouveaux projets, mais ça va revenir l'apéro parce que vous avez adoré, donc ça reviendra à la rentrée. Et comme je l'ai dit, pour les gros rendez-vous comme la conférence Xbox, la conférence Ubisoft, on fera des apéros spéciaux
Donc voilà, ça va pas totalement s'arrêter, mais en tout cas un énorme merci à vous. C'était un grand plaisir de passer déjà 70 émissions en votre compagnie avec à chaque fois 3 invités différents. On en est je crois à plus de 200 invités, faut que je fasse le calcul, mais à plus de 200 invités et à plus de 150 heures de live, donc c'est complètement dingue. C'était vraiment un plaisir. Demain c'est la dernière, c'est la spéciale F1 puisque dimanche c'est la reprise, donc on va parler à la fois du jeu F1 2020 mais aussi parler du championnat. Je serai avec mon dernier modérateur RC Alex. Ça va être top, donc vraiment merci à tous. Prenez soin de vous, vraiment. Hein, passez un bel été. J'ai l'impression que c'est déjà la dernière. Je vous remercie, mais on se retrouve demain en tout cas. Mais voilà, ça me fait très très plaisir. Et puis ça va faire bizarre quand même du jour au lendemain de ne plus avoir nos lives. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi, Eric, d'avoir participé pour ta première fois. Merci à Sophie. Merci à toi de m'avoir invité. Avec un grand plaisir. Et puis, comme je le dis, hein, l'invitation n'est pas unique. Donc, si vous voulez participer à la saison 2, envoyez les mails parce que tout le monde est les bienvenus, que vous soyez abonné, mais que vous soyez créateur de contenu, influenceur, streamer, etc. C'est ouvert à tous, donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à toi aussi, Jeff, hein, d'être passé encore dans cette émission et d'être modérateur tous les jours. Merci à toi, Sophie, et à ton homme Conquer, que je lui fais de gros bisous, que j'ai hâte de vous voir bientôt. Et du coup, voilà. Merci, on t'embrasse. Et bien voilà, passez une bonne soirée, autant à vous que dans le chat. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit rendez-vous demain pour la dernière. Et puis voilà, salut à tous. Salut. Salut.